On doit l'année prochaine refaire tout notre projet pédagogique pour être à nouveau autorisé à exercer les CNC. On va reconstruire complètement notre formation avec une idée complètement nouvelle, mais qui est bien dans l'air du temps maintenant, mais qui n'était pas il y a 10 ans. C'est comment travailler à partir des capacités du majeur protégé et non pas à partir de ses incapacités. Ce qu'on fait depuis 50 ans maintenant, c'est repérer les incapacités pour essayer d'en atténuer les conséquences. Mais le professionnel ne prend pas le temps et n'a pas le temps, ou n'a pas la méthodologie, n'a pas les outils pour identifier d'abord les compétences qui restent au majeur. C'est un changement de vue absolument radical, oui. Les très jeunes professionnels sont prêts à l'entendre. Après, il faut faire bouger tout le reste, toute la structure, toutes les procédures internes, l'encadrement, etc. Mais bon, si on ne se bat pas, on ne fera rien.